aujourd'hui, comme plus que jamais, le monde est bouleversé. Partout, c'est la guerre. Les pandémies, la famine, les tremblements de terre. Le monde est à l'envers. L'heure est à la prière. La prière qui sauve. La prière qui déplace les montagnes. L'heure est à la prière. La prière qui fait jaillir l'eau dans le désert. L'heure est à la prière. Ma santé, ma vie, mon mariage, ma maison, ma richesse, ma vie. La prière qui brise les chaînes. La prière est un bouclier, une cuirasse, une protection. Lève-toi, vaillant guerrier. Va récupérer ce qui a été volé. Lève-toi, vaillant héros, et bats-toi pour ta famille, pour tes enfants, pour ta vie. Car tu as reçu le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. L'heure est à la prière. Mardi matin, mon fils s'est levé, mais je l'ai réveillé, mais il ne répondait pas lorsque je l'appelais. Jason, il ne répondait pas. Ses yeux étaient, il était absent, il bavait, il était comme ailleurs. Et j'ai commencé à avoir peur parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui arrive à mon fils? Et je me suis rappelé d'une chose que le frère Eloche avait dit, c'est que à considérer l'eau de la douche comme l'eau du baptême. Et donc, ce que j'ai fait vraiment avec foi, je l'ai lavé avec l'eau en disant que cette eau devienne son eau de baptême. Et je brise tout enchantement, je brise tout sortilège, je brise tout envoûtement sur sa vie au nom de Jésus. Et j'avais du sel béni exorcisé, alors je l'ai enduit, je l'ai lavé avec ça au lieu d'utiliser le savon. Et à un moment donné, il a commencé à grelotter et il a crié et il a commencé à revenir de plus en plus en lui. Et j'ai demandé à des sœurs et des frères en Christ de prier avec moi pour comprendre ce qui s'était passé. Et le Seigneur a expliqué qu'on a tenté de lui voler son étoile. Et je bénis le Seigneur parce qu'il n'a pas permis que cela se fasse. Parce que mon fils est son fils et je lui ai d'ailleurs donné le prénom de Emmanuel, Dieu avec nous. Et je bénis le Seigneur, je bénis le frère Eloge et vraiment que le Seigneur bénisse son ministère, que davantage d'hommes, de femmes puissent être réveillés. Et je le bénis parce qu'il fait des pères, des mères, des vaillants guerriers pour leurs enfants. Et je le bénis parce que depuis que je suis ces vidéos, mes prières ont pris en puissance et en force. Béni soit le nom du Seigneur pour son serviteur. Amen. Dans l'eau, dans la forêt, au nom de Jésus, je la redonne.
acclame le Seigneur. Parce que c'est lui qui m'a vraiment invité et je lui ai demandé vraiment de changer ma vie, de vraiment couper les alliances qui n'étaient pas avec lui et d'avoir une alliance avec le Seigneur. Je rends gloire à Dieu d'avoir vraiment renversé les autels de ma famille, ces autels qui me poursuivaient nuit et jour. Père, sois béni, sois élevé. Merci parce que j'ai crié à toi et tu m'as envoyé un homme. Tu as envoyé ton homme parce que j'ai dit, Seigneur, je ne connais pas ta parole. Et grâce à ces livres, la puissance maximale est née pour combattre le diable. Je te bénis. Parce que grâce à ces livres, il y a la parole. Je prie et en même temps, je renverse les autels. Père, je te rends grâce, je te bénis, je te loue. Sois élevé dans ton trône de gloire. Rends grâce vraiment à tous tes serviteurs, Père, qui ont œuvré pour toute ma famille. Parce que ce n'est pas seulement moi. Nous sommes 6 enfants. C'est tous les enfants qui ont été vraiment élevés hier. Et en plus, hier, ce qui tombait bien, c'était l'anniversaire de mon frère. Et c'est le plus attaqué de toute la famille. Père, merci, parce que tu ne m'as pas béni seulement moi. Tu m'as béni moi, mes neveux, mes nièces, toute la famille entière. Sois béni, sois élevé, sois magnifié. Gloire, honneur, louange à ton saint nom. Amen. Le 6, le 7, le 8 et le 9 juillet 2023, le grand festival de la prière. C'est un rendez-vous. Un rendez-vous pour votre liberté. Un rendez-vous dans la présence de Dieu. Un rendez-vous pour voir la manifestation de la gloire de Dieu dans votre vie. C'est un rendez-vous avec l'homme de Dieu, l'évangéliste, prophète, écrivain, conférencier, Eulange EQC. Venez en grand nombre, c'est un rendez-vous au 5 rue Galilée, 93 150 Le Blanc-Mesnil en France, Paris. Le grand festival de la prière ayant pour thème « Fais-moi voir ta gloire, Seigneur ». C'est un rendez-vous. Paris, es-tu prêt à voir la gloire de Dieu ?